Madame la maire, chers collègues, la fontaine des Innocents, située au milieu de la place Joachim du Bellay dans le quartier des Halles, est classée à l'inventaire des monuments historiques. Chacun connaît l'état très préoccupant de cette fontaine, avec ses façades, l'ouvrage de fontainerie, les dispositifs électriques dégradés par le temps et surtout l'absence d'entretien. Vous le savez sans doute, le Conseil de Paris a voté un budget de 4 millions d'euros pour sa restauration en 2014. Mais jusqu'à ce jour, aucun chantier n'est encore à l'œuvre. Et c'est vrai qu'il y a eu depuis une pétition qui a été lancée par l'Association pour la défense des riverains et l'animation du quartier des Halles, la DRAC, sur change.org, et qui a été adressée à la maire de Paris visant à sauver d'urgence la fontaine des Innocents, et que cette pétition a récolté près de 2500 signatures. Alors, considérant pour nous qu'il y a un petit et il y a un grand patrimoine, mais qui se confondent et qu'il faut à chaque fois les soutenir, le vœu est simple, c'est que la ville de Paris fasse aux élus du Conseil de Paris ainsi qu'aux citoyens, aux habitants,